Bonjour, mon nom est Alexandra Doucet, je suis représentante du sport technique pour Powder Room. Moi, je suis Dominique Vallée, je suis rider pour Powder Room. Donc, le manteau que je présente est une toute nouvelle catégorie, un nouveau programme qui s'appelle Verso. Qu'est-ce qui est spécial dans ce programme-là, c'est que ça représente vraiment les Canadiens. Donc, ça a une influence hyper canadienne de notre héritage aussi. On peut le voir juste dans les primes, dans le fond, dans toutes les imprimées, aussi dans les capuchons. Je sais pas si on va voir ici, mais s'il y a des chevaux, il y en a qui vont avoir des loups, il y en a qui vont avoir des chiens, dans le fond, tout ce qui représente un petit peu le Québec, le Canada. On parle d'un manteau qui est hyper technique. Souvent, les gens avec cette fabrique-là vont penser que c'est pas waterproof, mais ce l'est. On parle d'un 10 000 ml waterproof et d'un 7 000 grammes par mètre carré respirabilité. Donc, c'est super technique, même si le style est vraiment intense. On pense des fois que c'est un manteau plus de rue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dans le fond, c'est la même isolation qu'on a dans le X5. On parle de Primaloft, encore une fois, un isolant qui est hyper léger, mais qui est super chaud. Donc, c'est un des meilleurs, surtout quand on fait du parc, on aime ça, juste essayer, apprendre. Enlever notre snowboard, marcher et tout, on a besoin de quelque chose de hyper léger. Donc, Primaloft est le meilleur pour ça. À l'intérieur, comme dans chaque manteau, il y a encore la jupe aussi pour la neige. On va avoir les pochettes sur le côté qui sont techniques pour mettre nos cellulaires MP3, peu importe ce qu'on veut mettre. Si on tourne, on a encore une bonne longueur ici. Puis on va avoir la petite étiquette que je trouve très cute, qui représente le Canada encore là avec la feuille. Donc, c'est pas mal ça pour le verso, si tu veux continuer. Moi, qu'est-ce qui est différent de ce manteau-là, c'est vraiment la texture. C'est super doux. Puis ici, on peut voir que ça fait vraiment carré canadien, un genre de petite touche de corduroy qui est vraiment spécial comparé à n'importe quel autre manteau qu'on peut trouver. Merci!